Donc Camille, oui, c'est le renégat, c'est aussi Camille, la sœur de Paul Claudel. C'est pourquoi c'est si compliqué également. On entend derrière ce mot, ce prénom, une chose qui ne peut pas lui échapper au moment où il écrit, alors que la famille est en crise et qu'on sait à ce moment-là ce qu'était la vie de Camille Claudel, et peut-être la culpabilité profonde du frère Paul, donc vis-à-vis de sa sœur. Donc c'est un personnage chargé. Qui a toutes les qualités en fait scéniques pour un acteur, parce qu'au fond le bon côté du théâtre est du côté de Camille, c'est-à-dire la force, la puissance, la virilité. Chaque personnage est toujours Claudel. Je pense qu'il incarne, l'auteur est présent dans chacun des personnages, comme c'est le cas dans l'échange où les quatre personnages c'est un bout de Claudel, c'est-à-dire le théâtre, la femme et l'amour charnel, la religion, et puis l'argent, l'argent et le pouvoir. Et d'une certaine manière, le marchand Rimbaud dont vous parlez, parti avec ses semelles de vent vers l'Abyssinie, c'est aussi cet appel du désert et de l'absolu que Claudel a en lui. Donc les personnages sont toujours Claudel. C'est toujours une partie de son être, une partie de son âme. Mais Camille, c'est la chair, c'est le sang, c'est la virilité, c'est le sperme, c'est la création, hein, c'est la procréation, c'est-à-dire tout ce qu'il est dans sa force. Et Rodrigue, c'est toute la souffrance, c'est la désincarnation, peut-être une forme de culpabilité aussi de l'adultère, puisque on le sait, c'est une œuvre autour de la question de l'adultère. Claudel, au moment où il écrit, n'est pas marié, mais elle est mariée, Rose Veitch. Donc il y a cette impossibilité d'un amour. Qui serait dans cette bourgeoisie rebelle. Donc Camille, c'est celui qui ose, c'est celui qui peut, c'est celui qui a la force. Camille a beaucoup d'atouts. Voilà. Camille a tous les atouts du jeu dramatique où on peut à la fois séduire le public, être un. Alors j'avais des images d'une panthère noire, vous voyez, de quelqu'un qui est. C'est le mort. Parce qu'au fond, c'est un rapport de force très puissant, Rodrigue et Camille. C'est une dévoration. Il n'est plus qu'une petite ombre par rapport à la grande ombre portée sur le mur. Rodrigue devient petit face à Camille qui a l'ensemencement. Justement, on sait combien l'ensemencement chez Claudel est important. C'est Camille qui va faire un enfant à Prouesse. Peut-être pensait-elle à Rodrigue dans ce moment d'amour avec Camille, mais au fond, c'est lui qui a, si je puis dire, le dessus, sans vulgarité.